Investissez dans des relations authentiques et profitables. Faites en sorte de mettre en place des relations pérennes, d'être dans la relation et pas dans la transaction. On voit dans le monde entier des comportements complètement différents. Si vous allez par exemple aux États-Unis, le relationnel est très très proche du transactionnel. Vous allez au Canada, c'est un petit peu moins fort qu'aux États-Unis, mais on le trouve aussi. Et ensuite, vous allez en Europe, le relationnel est plus important. Et en Afrique, il est total. Et au Japon, il est soudé. Donc ce que je veux vous dire, faites très attention à cela, à ne pas vous comporter comme des gens qui sont comme des petits glaçons et qui ne voient les autres êtres humains comme des simples cartes de crédit, des portefeuilles, des chéquiers ou de la transaction. Tous les êtres humains attendent quelque chose. On attend tous quelque chose. C'est faux de dire on n'attend rien, mais on peut attendre un sourire, une reconnaissance, de la chaleur humaine, un conseil, de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Des valeurs profondément humanistes, ok ?